avons des colliers. Des colliers pour maîtriser le chemin de l'enfer. C'est ce qui veut aller en enfer revenir. Nous avons des colliers en or. Des colliers en cristal. C'est ça, c'est en vente. C'est pour ceux qui veulent prendre au sérieux leur vie spirituelle. Il y a le sel des métaux que vous connaissez déjà, qui est très utile pour que les énergies de l'argent ne vous échappent pas, et surtout que les sorciers diaboliques et les magiciens qui font apparaître l'argent, ou bien ceux qui font multiplier l'argent, qu'on ne vole jamais votre argent. Le sel des métaux peut vous aider. Vous voyez ici, c'est l'eau de la licorne. Vous connaissez déjà l'eau de la licorne. Et comme je le dis souvent, vous n'êtes pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour acheter. Si vous allez dans la forêt, dans une montagne, vous allez trouver l'eau de la rosée et vous allez recueillir et voir à quel point c'est vraiment thérapeutique. Nous en avons tellement fait l'expérience que nous avons nommé ça l'eau de la licorne. Et bien, c'est ça l'eau de la licorne. On en a pour 5 litres. Il y a pour les 5 litres et il y a pour 1 litre. Voilà. Ici également, vous avez nos cassettes de toutes les émissions que j'ai faites depuis des années. Il y a Vision 4, il y a TVT, il y a des chaînes YouTube, il y a beaucoup de choses. Mais ces vidéos ont été sélectionnées parce que c'est important pour ceux qui veulent vraiment des enseignements utiles pour leur vie. Voilà. Ici, vous avez la feuille de laurier pour ceux qui aiment jouer au jeu des hasards. Parce que le hasard n'existe pas. Pourtant, ces jeux existent comme on dit par exemple le nato. Donc, c'est avec les feuilles de laurier que vous pouvez préparer les chances. Surtout, ce qui est plus simple que je peux vous dire, vous écrivez vos numéros sur la feuille et vous mettez la feuille dans votre porte-monnaie. Et ça va vous aider. Mais il y a un rituel spécial aussi qu'on fait et la feuille devient tellement sacrée que vous allez toujours gagner. Et l'argent ne doit jamais vous manquer quoi. Pour les bougies, plusieurs couleurs parce que c'est selon la semaine. Et chaque semaine a sa bougie. Et quand on utilise les bougies selon la semaine, on est connecté avec ce qu'on appelle le pouvoir de l'arc-en-ciel. Ça, c'est les bougies blanches pour travailler avec les anges et les archanges, les génies, les divinités et surtout les membres de nos ancêtres. Ici, ça, c'est la poudre 888. C'est pour ceux qui veulent bien dormir et faire de bons voyages astraux et être protégés lors de leur sommeil et surtout visiter les endroits les plus magnifiques de la Terre. Ça, c'est un produit pour sanctifier, exorciser, purifier votre personnalité. Une boîte, ça fait 15 000. Une boîte comme ça fait 15 000. C'est tellement. Les ingrédients sont tellement rares que. Actuellement, il n'y a que 3 boîtes. Donc, ceux qui connaissent savent ce que c'est. Donc, je n'ai pas trop à parler pour ça. Mais ce qui est sûr que c'est très important pour ceux qui sont déterminés. Ici, c'est ce que nous appelons. Le chapeau du 8. Le chapeau du 8, c'est pour ceux qui veulent ouvrir le troisième œil et n'arrivent pas. Bien sûr, je précise que les élèves, ce n'est pas le commun des mortels. Ça, c'est les maquerous, les disciples de notre école. C'est une poudre spécialement pour le troisième œil. Et c'est lié aussi aux vibrations de Jupiter. Et ça, c'est la poudre du dragon. La poudre du dragon, c'est pour que vous puissiez vraiment affirmer votre personnalité dans le monde invisible et de pouvoir faire un mal terrible à quelqu'un qui vous a lancé une massue ou qui a tiré sur vous et a raté. Avec la poudre du dragon, il n'est pas autorisé qu'on vous rate. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qu'on doit influencer. Celui qui ose, c'est assez risqué péril. Ici, vous avez une huile essentielle à base de lavande et vous voyez une branche issue d'un crachat du bois. Donc c'est une constitution avec un biais de 2000. Donc ça, c'est 15 000. Et ça, c'est 12 000. Voilà. C'est pour que vous puissiez maîtriser les énergies de l'argent. Pour que votre argent soit à vous et qu'on ne puisse pas vous influencer ni retirer votre argent. Quand vous avez ça, reste. Et enfin, vous avez ceci. Ça, c'est pour que vous puissiez... Ça, bon, ça, c'est des bagues. Hein. Ça peut s'enlever. C'est des bagues. C'est pour que les bagues puissent s'imprégner de l'assiette. L'assiette, là, tout est en argent. C'est matière argent. Son rôle est d'enfermer le diable qui vole l'argent. Vous savez, ceux qui font la magie, ou bien ceux qui multiplient l'argent rapidement, là, on vous a toujours dit que ça n'existe pas. Si ça devait exister, c'est que la personne a envoyé un génie voler de l'argent. Ce qui fait qu'un banquier peut se lever, il fait le compte, ça ne suffit pas. Jusqu'à ce qu'on l'amène en prison, parce que c'est un génie qui a volé. Mais quand vous avez l'assiette là, on ne peut jamais voler votre argent. Votre argent est toujours protégé.
Même vous pouvez mettre l'argent ici, avant de l'enlever, aller le déposer à la banque. Il y a un temps chrono que vous devez mettre ici parce qu'il y a un génie à l'intérieur. Et ce génie, son travail est dès qu'on met, c'est comme les poupées, on appelle ça, les poupées russes. C'est pour enfermer les énergies de l'argent. Et vous allez voir que quand l'argent est à l'intérieur, l'argent est toujours utile. L'argent ne peut jamais être volé par un génie qui vaut de l'argent ou les diables qui vaut de l'argent, ni ceux qui font des choses pour retirer votre argent. Regardez. Dedans, vous allez voir que ça fait même 350 000 ce qu'il y a dedans. Donc cette somme ne peut pas être volée par un génie, ni un diable, parce que nous avons tenu compte lors de nos activités spirituelles. Et cette assiette également, vous pouvez trouver ça dans notre boutique ici. Et l'assiette est à 150 000. C'est à 150 000. Voilà. Si je vous donne le prix, c'est pour que vous ne croyez pas que c'est aussi facile que ça. Donc, bref, c'est ce que j'ai pu vous expliquer cette matinée pour que vous soyez imprégné de notre boutique et profiter pour vous élever spirituellement, être toujours pur, parce que la pureté est à l'origine du bonheur. Au top.